Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur My Time at Sandrock. Et il y avait eu en fait la tempête lors du dernier épisode. Et Orwen avait perdu en fait, enfin sa scène a été détruite. Et donc le but va être de la reconstruire. Mais alors autant vous dire que ça va pas être tout de suite. Étant donné que d'abord il va falloir qu'on améliore nos outils. Et on n'a plus d'eau. Bon. Parce que si je regarde dans les outils. Voilà. Donc il nous faut déjà des lagots de bronze. Pour avoir du bronze, il faut qu'on avance dans la mine. Il faut des bâtons en bois, des vis en cuivre et pierre aiguisée. Et pierre aiguisée, on ne peut en trouver que en magasin. Donc ça, faudra en acheter. J'ai pas nécessairement envie d'acheter de l'eau, donc je vais aller couper du bois et ça va me permettre aussi de faire une petite quantité de coffres. Hein. Ça va pas être du bois de perdu. Si je me mets en face, ce sera quand même un petit peu mieux. Ah, je peux pas récupérer d'eau. Mince. Parce que je crois que j'ai un petit peu d'eau, mais pas suffisamment pour faire un baril. Si je vais par là, est-ce que quelqu'un va me voir? De toute façon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Hein? Ils vont me punir, c'est ça? Je ne pense pas à moi. Alors, je suis à 12, donc je peux faire au moins un baril d'eau. Voir s'il n'y a pas moyen d'en reprendre d'autres là. Donc là, on est à 14. Il est quelle heure? Il est 10h et je crois en fait que notre récolteur, le plan, on ne l'a pas encore. Je pense que c'est demain qu'on va l'avoir. Vivement parce que bon... On aurait quand même besoin d'eau quoi. Alors, toc. Oh, il manque pas grand chose en vrai. Hein. Ouais, il manque pas grand chose. Il me faudrait 3 rosées supplémentaires et ce serait bon. Allez, plus qu'une. Yes. Et donc, je vois que j'ai un point. Et le point, je vais le mettre ici. Comme de toute façon, là, je fais le baril, je le rajoute, je fais également au moins un coffre supplémentaire, ce serait pas mal. Et après, je vais finir mon énergie dans la mine. Yeah, c'est bien. Tac, hop et voilà. Est-ce que je peux faire des choses ici?
ça qu'il va me falloir. Donc, je disais ensuite des coffres. Alors, coffre en bois, je vais en faire au moins deux. Ce sera déjà pas mal. Que je place, bien entendu. Merde. Pardon, excusez-moi. À l'envers. Je vais commencer à l'envers. Donc, je vais certainement pas m'amuser à continuer autrement. Et je vais y mettre... ça. Des petites choses là. Alors, le bois, fibre. C'est quoi ça? C'est une ressource, pièce associée. Ah oui, mais c'est une relique. C'est une relique. Donc, on va le mettre... Non. Là-dedans. Et en vrai, ce serait pas bête... Hop, d'avoir... Un coffre à débris. Bon, on est pas mal, hein. On est pas mal du tout. Voilà, comme ça, je récupère ça. Et je vais lancer du cuivre. Hop. En route ma poule. Est-ce que j'ai des trucs sur... Ouais, bon, je vais garder ça. Allez, hop, let's go. Tu te sens d'attaque pour descendre? Mais Bichette, moi je suis déjà descendue en fait. T'as 10 wagons de retard, hein. Voilà, donc ça y est, j'ai fait mon petit tour à la mine. Alors j'ai pas récupéré des trucs sensationnels, mais j'ai pu avoir un moteur, ça c'est grave cool. Et j'ai réussi aussi à obtenir un tout petit peu de minerai d'étain. Voilà. Et puis bien sûr, quelques CD. Donc demain, on va pouvoir lancer une autre recherche. On aura ce qu'il faut. On ne pourra pas accélérer la recherche, mais on pourra au moins en lancer une. C'est le principal. Et le coffre, par contre, c'est grave cool parce que c'est quelque chose que... On a régulièrement besoin au niveau des machines qu'on veut mettre en place. Donc ça, c'est une très bonne chose. Puis un petit peu d'étain, ça pareil, c'est vraiment super appréciable. Bon, je vais mettre ça pour l'instant, mais in fine, on aura un coffre que pour ça. Donc je me suis surtout concentrée sur descendre dans la mine, de façon à accéder assez rapidement aux différents niveaux qui nous permettent d'avoir beaucoup plus d'étain. Parce que là, si je regarde, c'est quoi qu'on doit faire? C'est le support. Alors, attendez. Mince, je sais plus. C'est... Oui, je crois que c'est le support qui est plus facile en quelque sorte à faire. Parce que si je regarde le support de scène, il faut du bronze, des planches et des dalles en pierre. Alors que la scène, il faut des haut-parleurs en cuivre et encore, ça va. Du verre, non en fait. Je sais pas pourquoi. Toute première fois que j'ai joué, j'ai trouvé qu'il y avait une différence en termes de facilité. Ça fait rien. Alors par contre, on va faire des briques. Comme ça, ce sera fait. Et dalle en pierre, ouais, il me faut des briques. J'en ai plus en stock. Et en termes d'eau, on est comment? On a baissé d'1%. Bah écoutez, on va dormir.
Alors, Elsie, j'ai remarqué que tu te baladais en ville sans ton propre destrier, mais c'est que si j'étais toi, je serais sacrément embêtée, faut dire. Je t'apprendrai à monter à cheval. Oui, alors le cheval, c'est génial, mais on l'aura que pendant une semaine. Et donc, voilà le collecteur de rosée. Et alors, attention, parce que qu'est-ce qu'il faut déjà pour ce collecteur-là? Oh, Jean-Pierre, brique en marbre. Cuir simple. Alors, qu'est-ce qui nous manque? À peu près tout, je suppose. Voilà, très bien. Très bien, très bien. Alors, auge 2, ça, il en faut 3. Parce que pour faire de la peau, il faut défoncer des yakumo. Et avec ça, après, faut du sel. C'est carrément faisable. De toute façon, c'est pas une question de c'est carrément faisable, c'est une question de va falloir le faire. Et pour ça, je vais me prendre, enfin, je vais me faire plutôt, voilà, une dague en pierre. Alors moi, c'est mon arme favorite dans le jeu. Plus tard, on peut avoir un pistolet. C'est vrai que c'est pas mal aussi. Mais autrement, en corps à corps, je préfère largement la dague, enfin les dagues. Ah oui, alors là, par contre, c'est le boss, c'est autre chose. Ah mais ils sont tous en train de m'attaquer en plus. Si je peux avoir les deux pour le prix d'un. Merde. Bah ouais, pour l'instant, je suis pas très forte, hein. Ça va s'arranger. Yes. Et puis toi, juste ta bouche. Je t'ai pas sonné. Merci bien. Oh là là, tout ce qu'on a récupéré. Voilà. Ça nous fait combien de peau avec tout ça? Ah, on a récupéré de la peau brute en plus. Génial. 35. Eh ben 35, c'est pas mal du tout. Hein. C'est pas mal du tout. Il en faut combien? 8 peaux brutes pour faire. Oui, sa peau brute pour faire du cuir. C'est quoi qui va pas? Ah. Oui, effectivement. Alors. Bon, on va tout faire, hein. Tant qu'à faire, il faut que j'aille acheter du sel. Il va falloir qu'on arrive à se faire autant de récolteurs d'eau que possible. Vraiment, c'est le nerf de la guerre. Et moi j'aime bien partir à la guerre équipée, voyez-vous. On va pas lésiner sur les. Ah voilà, le sel de mer. Sur les efforts. Hein. Le niveau matos, on va bien s'équiper. Parce que plus on va avoir de récolteurs d'eau, plus on aura d'eau, forcément. Et moins ce sera pénible pour nous. D'alimenter les machines. Puis ça nous coûtera moins cher aussi en termes d'argent. Donc, cuir simple, je ne peux en faire que 3 par contre. Toi, t'en prends combien? 3. Bon. Brique en marbre. Brique en marbre. Ah, faut que j'aille à la boutique. Allons-y gaiement. Comme ça, on va se prendre une petite commission.
Oh, les filles, sérieux, quoi. Donc, en gros, Elsie est plutôt joueuse, elle est plutôt travailleuse, elles sont potes, mais bon, Elsie aimerait bien que Mian réduise un petit peu son rythme de travail et qu'elle se détende un peu. Alors, je peux pas tout de suite. Ok. Et pas tout de suite, ce sera même peut-être pas avant. Au moins tout ça. Alors. J'avoue que la table de meulage ponçage, ce serait pas mal. Est-ce que je peux la faire? C'est ça le truc. On va dire que oui. Hein? Et on va prendre, voilà, ça. En vrai, ça aussi. C'est quoi? Dalle en marbre, oui. Puis le reste, on verra plus tard. Assez rapidement, on a quand même besoin de certaines connaissances. Et puis bon, j'ai les sous maintenant, alors autant en profiter. Ah, j'ai pas de marbre. Bah c'est pas grave. On va lancer les lingots en attendant. Et le marbre, est-ce que je peux le récupérer là? Non, j'ai pas le truc pour. Ah oui, d'accord. Ça veut dire que ce qui me donne du marbre, il faut que j'améliore mon outil. On tourne un peu en rond là, les enfants. Ça fait rien. Je vais aller à la mine. Comment ça, il faut que je paye? Oh, déjà. Voilà, donc je suis de mon tour de mine. Alors, circuit simple et vieux composants. Ok. Et j'ai des reliques. Je suis plutôt bien descendue. J'ai récupéré aussi de l'étain. Ça, c'est chouette. Assez rapidement, je pense finalement qu'on va arriver à avoir ce qu'il faut pour au moins améliorer la pioche. C'est généralement ce que j'améliore en premier. Je trouve la pioche plus indispensable que le reste. Et j'ai plus d'eau. Oh, la tuile. Ah, un point. Alors, atelier, et bah ça, hein, bien sûr. Niveau 2, efficacité du collecteur de rosée augmentée de 50%. Très bien. Alors, c'est des dalles en pierre qu'il nous fallait. Toi, je vais te rajouter de ça. Et ouais, je voulais ça, mais pas tout de suite, tout de suite. Et puis sinon, pour le marteau, voilà, c'est ça, bâton en bois, là aussi. Et vis en cuir. C'était 4, 3. On va mettre 4. Et est-ce que je peux... C'était 2, ok. Les vis, je peux les faire ou pas? Ah, j'ai pas l'appareil. Attendez. J'ai la table de sillage, mais j'ai pas ça.
Ah oh merde, j'ai passé toutes mes briques là-dedans. Si j'annule, je récupère les ressources. Je récupère les ressources. Très bien. C'est ça qu'il f... Oh, en qualité parfaite en plus. Avant terre-plein. Merde. Ben, c'est que je commence un petit peu à être en manque de place. Hein. Commence un peu à être la crise du logement là-dedans. Hop, on va laisser ça comme ça et toi, je vais te mettre là-dedans. Et puis ce sera déjà un petit peu mieux. Ok. Je pourrais... Parce que c'est ça qui est demandé pour... comment dire? Qui est demandé pour... ma commission. Les vis, c'était quoi? Deux, je crois. Alors... Ouais, c'était deux. Ok. Ok. Bon, je vais aller acheter. J'espère que c'est pas trop cher. Ce qu'il faut pour dans le magasin. L'espèce de truc gris là, j'arrive jamais à retenir c'est quoi. Pour améliorer mon outil. Ah la vache! Non, pour un truc quoi. Et je peux rien vendre chez toi. Ok, bon, bah ça va, j'ai compris. On va aller voir Chi pour lancer une nouvelle recherche. Bon, bah il n'y a pas à tortiller du cul pour marcher droit. Il nous faut absolument de l'eau. Que développer? C'est une bonne question, ça. On va faire... On va faire le raffineur. Eh bien écoutez, c'est là-dessus qu'on se laisse. J'espère que l'épisode vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et à dans 15 jours pour la suite. Ciao tout le monde!